Bonjour, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. Si vous vous souvenez, on a commencé le cycle des dragons. La première semaine, c'était Arthur qui nous a présenté la série Les Royaumes du Feu. Puis ça a été Antoine qui nous a présenté la série Maître des Dragons. Et nous continuons avec Valérian. Bonjour Valérian. Bonjour, je vais vous présenter l'Enfant Dragon. Le monde d'Argan est en guerre éternelle qui oppose les humains et les dragons. RVL à 9 ans, c'est un enfant gentil et un peu différent des autres car il se sent attiré par les dragons alors que les dragons sont interdits là où il vit. Il a dans sa classe Lena qui est la fille d'un chasseur de dragons et elle est agressive et méchante envers RVL. Ce dernier va découvrir un œuf de dragon et Lena va tenter de lui voler afin que son père, le chasseur de dragons, le tue. Mais la maman du dragon vient récupérer son bébé. Ensuite, il va se passer beaucoup d'événements qui vont précipiter le destin d'Hervel et de sa rivale Lena. C'est le premier tome d'une série vraiment super. Les histoires se déroulent en 4 cycles de 3 tomes. L'enfant dragon d'abord, l'île au dragon, la colère des dragons et la nuit des dragons. C'est des romans qui sont très courts, efficaces, des phrases courtes, dynamiques. Le vocabulaire est soutenu, mais les enfants qui ne comprennent pas tous les mots ne seront pas bloqués dans la compréhension de l'histoire. Les dessins sont vraiment magnifiques, ils nourrissent le récit dans son imaginaire. La relation entre Hervael et Lena est très bien décrite et nous sommes impatients de savoir ce qui va se passer à la fin de ce premier tome. Alors n'hésitez pas, lisez L'Enfant Dragon, aventure, suspense et rivalité sont au rendez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. À bientôt !